Ok les gamers, c'est bon, j'ai remis des piles. Prêt à continuer. Allez hop. On y retourne. Parce que là j'ai mis en pause. Hein. L'alien, il a faim, il veut me buter. Donc, on va reprendre la partie. Non. Aucun. Alien isolation. En réalité virtuelle. Bah oui, évidemment. Parce que sinon, c'est pas marrant. Ok, donc je reprends. Donc là, je viens de taser un mec. Il avait un revolver, parce que je pense qu'il voulait me buter, de toute façon. Donc moi, je tase, hein, je m'emmerde pas. Donc, je pense qu'il aurait tiré un revolver, et puis de toute façon, il m'aurait buté. Ça aurait rien changé. Allez, il faut que je fouille le bureau. J'espère que je me suis pas trop éloigné de là où je dois aller. À mon avis, si. Mais je sais pas s'il y avait des portes par là. Poste de sécurité. Bah non. Passe le tour, je pense. Oui, il peut descendre par là, l'enfoiré, merde. Ouais, si le cœur lui en dit. Ok, bah je vais essayer d'aller tout droit. Là, j'ai une petite bombe sonore dans la main. Au cas où ça distraira l'alien. Ah putain, évidemment, la porte elle est fermée. Faut chercher un kit de soins au bloc opératoire. Un kit de soins? Mais j'essaye, il est où? Ouais, évidemment, il est de l'autre côté. Hein. Normal. Comme je le vois pas, c'est un bug ou... Ah merde. Non, il est là. Il est derrière. Juste derrière la porte là. Ah, moi je crois qu'il a trimballé le cadavre, non? Saloperie. Qui se passe. Je l'ai entendu s'exciter. L'alien. Putain. Il s'est excité, l'enfoiré. Il a trimballé le cadavre avec lui, mais je sais pas où. Je vais voir ma mort, je pense. Où j'aille par où là? Ah, faudrait que j'aille derrière, ce serait pas mal. Tous les patients en transition doivent fournir leur numéro d'équipage et leur immatricule d'arrivage. C'est que je suis pas forcément bien caché non plus. Alors, chercher un kit de soins au bloc opératoire. Faut pas être loin.
problème, c'est que l'alien non plus. J'en suis sorti. Je sais pas pour comment, mais. Oh là là, oh, ça fait un peu gerber ça. Putain, y a un mec. Je comprends pas que le mec se soit pas fait buter. Je pense qu'il a dû rencontrer l'alien, c'est pour ça un moment qu'il y a eu. L'alien a hurlé, mais. Du coup, je sais pas, il l'a pas tué, c'est bizarre. Alors moi, il me tue. Moi, l'alien, il me bute et puis les humains, il leur fait rien. Enfin, les autres qui veulent me buter, il leur fait rien. Neutralise, hein. Les lunettes de soleil sur le... Même s'il faut que je neutralise l'humain parce que. Mais dedans, il va me faire chier. Et je sais pas si ça a changé quelque chose dans l'histoire. C'est marrant parce que moi en VR ça change tout. Du coup si sur l'écran quand ça filme ça change quelque chose. Je crois pas en fait. Il y a des trucs ou pas? Non, c'est toujours de la camelote moi qui me faut. Coffre. Et des infirmières synthétiques travaillent dans ces locaux. Vous pouvez également demander à recevoir des soins humains. Si ce pointe là, je suis dans la merde là. C'est vide. Franchement. Oh, l'alien peut décider de tomber ici. Et chier. Ok, bon. Il y avait un truc à... C'est quoi ça? Terminal personnel, ouais d'accord. Un truc sur ma position là, c'est chiant. Oh là 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 là. Il y a un humain là-bas. De recharge. Est-ce que ça recharge en fait? Ok, tout droit, il y a quoi là? Ah, d'accord. Bon, j'ai traversé la zone alors. C'est la trappe. Faudrait que je la prenne à un moment donné, j'imagine. Que ce soit là en face. Là en face, de toute façon, c'est condamné.
Ouais, porte fermée, ok. Fumigène. Je pense que je pourrais marcher en fait normalement. Parce que l'autre humain il marche normalement et puis il se fait pas buter pour autant. Hein. Les visiteurs sont priés de ne pas fumer. Merde. Sans à chaque fois que j'ai pris une carte, je me suis fait démonter. Centrale électrique. Ah putain, d'accord, c'est derrière moi. Ah oui, bah forcément, c'est là où je suis pas encore allé. Sur la gauche. Et où il faut que j'aille, hein. Samuels, j'ai les médicaments. Nous sommes à la gare de transit, devant la réception du centre médical. Ripley, nous avons entendu les tirs. Et si on les a entendus, la créature aussi. Ouais, bah s'il pouvait se barrer. La créature. Saloperie d'alien de merde. Et une porte en face. Est-ce que je peux aller là? Que je peux faire avec ce terminal. Rapport d'autopsie. Foster, Catherine Foster. Ok. Ok. Quitte la zone, quitte la zone. Blood. Oh merde. Oh le mourir. Ah. Chier. Ah putain. Ok. Là, ce qui serait bien, ce serait que j'aille gauche. Alors, il y a une porte en face de moi, mais je sais pas où ça mène. Il attendait juste en face ce bâtard. Il y a nouveau un plan ici. Ouais, ok, il y a une carte derrière moi. Non, non, va sauvegarder, Flo, à droite. Ça me donne envie de gerber, ça faut pas. Pourquoi le truc de soin là?
de sauvegarde, c'est surtout ça que je veux. La maison médicale Saint-Cristobal recommande la mutuelle Sixon. Voyagez l'esprit tranquille. On s'en fout, tant pis. Sauvegarde, on sauvegarde. Ok. Mais sympa le truc, ennemi proche. Et je peux crafter des trucs. Je peux rien créer d'autre, putain. Il me manque toujours quelque chose, c'est chiant. Je vais garder l'émetteur de son. Ah non, quoique je pourrais prendre un fumigène, hein, c'est vrai. Il me tire d'ici. Je te jure, comme c'est... Ouh, comme c'est hard. Accéder à la réception du centre médical San Cristobal. Donc je reprends la porte à droite. Je me le fais en furtif. Je devrais courir, hein, putain. Je sais pas comment faut le jouer réellement. À droite. Ah bah voilà, il l'a tué l'humain. Oh ouais, donc il y a bien eu un... Il y a bien eu un combat. C'est pour ça que ça s'est excité un moment. Ok, je dois aller où? Deuxième porte à droite. Gauche et quoi là? Rien, on s'en fout. C'est la suivante, le couloir à droite. Avec quelque chose. Je peux créer des trucs. Parce que c'est une bombe tuyau. Bombe tuyau. Oh, allez. Moi, je pourrais passer par là maintenant. Au fait. Ah oui, c'est ça, j'ai rien récupéré. Merde. La réception du centre est un cul-de-sac. Je peux pas sortir. C'est la seule sortie possible. Ripley, c'est un hôpital public. Il y a forcément une procédure d'évacuation. Amorcer les procédures d'évacuation de la maison médicale. Oh la poisse! Oh, sérieux? Faut que je fasse tout le tour ou... Merde! Oh putain, mais si c'est pas compliqué tout ça? Amorcer les procédures d'évacuation. Oh là 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 là! Il plaît. Ripley, elle essaye juste de survivre, bordel. J'essaierai de marcher, et puis voilà, on verra bien. Droit, urgence. Je marcherai bien même.
Ah, ça c'est ouvert maintenant. Aller dans le conduit. Ça me sert à quoi? Ça sert à rien. Dans un conduit, quel est l'intérêt? Ah. Ok. Il y a du mauvais côté du conduit. Il y a quelque chose au-dessus, hein. Oh, les boules. Ok. Ah bah non, c'est pas où je dois aller là. Morcer. L'étage de son primaire, on s'en fout. Ah, il fallait. C'est vrai qu'il fallait savoir hein, que tu pouvais descendre là. Sérieusement, en vert, c'est trop bien. Il bouge ma tête, il bouge le. Il bouge l'écran, mais. C'est trop bien foutu, sérieux. En fait, je me soigne même pas. Ça sert à rien. Ah, l'aliénaire descendu. C'est dégueulasse, sérieusement. Là, je faisais aucun bruit. Je... je faisais aucun bruit. Je sais pas pourquoi je me suis fait. Où il est venu me buter. Je faisais rien comme bruit. Oh. Oh là 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 là, je faisais rien comme bruit. Bon. Ce qu'on va faire, je vais essayer de marcher. Comme ça. Si ça se trouve, ça marche bien. Hein. Ça n'a pas duré longtemps. Hein.
C'est abusé. Il va arriver à l'allumer ou pas? Là, je pense qu'il m'entend, je pense qu'il n'y a pas de... Ah non, faut que j'aille là-bas. Ouais, je pense que c'est carrément évident en fait. Ah putain, là il y a un humain. Oh là 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 là! Ouais, donc je suis obligé. Ah bon. Bon, allez, je vais arrêter là sur ce coup-là. Je continuerai plus tard, à mon avis. Parce que là, je pense que voilà. Je récupère un petit peu de patience, de pause. Allez, à plus tard, bye!